Tu t'attends à faire un combat intense. Et ouais, Jackie Chan serait fier de moi. En réalité... Hé, tu m'as griffé le doigt. Désolé, mon pote. Ce qu'on attend au karaoké. Bienvenue dans ma propre comédie musicale Disney. Je connais toutes les paroles et toute la salle chante avec moi. C'est génial, non? Et on finit le tout par une très belle note. Bravo! Appelez-moi simplement Karaoke Man. Mais en vrai, le karaoké, c'est souvent bien plus triste que ça. C'est comme La La Land. Qu'on lui retire ce fichu micro. Tais-toi un peu, mec. J'adore porter des talons. Je peux marcher comme un modèle. Je balance mes hanches, mon dos est droit et mes genoux sont alignés. Je me déplace comme une déesse du podium. Oh. Mais en regardant bien, on dirait que c'est la première fois que je marche avec des talons. Oups, mon talon est coincé. Allez, sors de là! Reste en équilibre. Mon mantra est la grâce et la beauté. La grâce et la beauté. Aou! Je me suis tordu la cheville. Oh my god. Oh mon dieu, avoir un chien, c'est mon rêve ultime. Je vais le serrer dans mes bras, le caresser, le câliner et l'aimer tous les jours. Mais la réalité est brutale. C'est un petit démon dans un manteau de fourrure. Et il fait pipi partout. Méchant chien, Fluffy. C'est la matinée parfaite. Tu te réveilles comme une princesse. Lève-toi et brille, ma beauté. Tu es pleine de force et d'énergie pour cette journée merveilleuse. Un verre de jus sain. Et c'est le moment parfait pour partir faire ton jogging matinal. Voici un matin réaliste. Tu peux à peine ouvrir les yeux et tes cheveux ressemblent à un nid d'oiseau. Tu veux tuer ton réveil. Un jogging? On essaye dans une heure, ok? Qu'est-ce que tu espères qu'il va se passer au concert? Bien sûr, que Justin Superstar ne chante que pour toi. Maintenant, il t'invite sur scène. Est-ce que c'est la vraie vie? Oh mon dieu! Les rêves peuvent vraiment devenir réalité. Justin Superstar, je t'aime! Mais en réalité, il y a une chance que tu te fasses simplement frapper par les autres fans. Bon ben, je suppose que Justin Superstar ne saura jamais que j'existe. Ce qu'on attend au bureau. Mes collègues sont les meilleurs. Hé, hey, c'était un plaisir de te voir ce week-end. Du café pour moi? Merci. Coucou beauté. Et voilà mon fauteuil préféré. J'adore mon taf. La réalité au bureau. Laisse-moi tranquille, t'es bizarre. Ça, c'est mon café. Mais c'est qui, lui? Il vient du département des monstres? Ah, et mon poste de travail est super aussi.
Le feng shui à l'état pur dans un placard sous les escaliers. J'adore mon taf. Tout le monde rêve d'avoir un premier baiser parfait. Alors qu'il pleut, il te couvre avec sa veste. Il t'embrasse tendrement. Ça, c'est dans l'idéal. En réalité, il ressemble plus à un poisson en train de se noyer. Je veux pas embrasser ça! Voici le roi du skate. Je suis le dieu de la planche. Ce skatepark a été nommé après moi. Hors de mon chemin! Le maître est sur des roulettes. Mais en réalité... Oh, heureusement que je porte un casque. Mes parents sont les meilleurs. Avant de sortir faire la fête, ils me souhaitent toujours de passer une super soirée. Et ils me donnent une tonne d'argent à dépenser. Yes, je vais pouvoir sortir toute la nuit. Ah, ils sont tellement gentils. Si seulement tous les parents étaient comme ça. Maman, papa, je sors. Je serai de retour à 11h. C'est ça, oui. Une seule réponse. Non. Conduire, c'est tellement relaxant. Ma voiture roule doucement et ne fait pas de bruit. De la super musique joue. Ah, je pourrais conduire toute la journée. Les routes sont dégagées. Il y a une place de parking de libre. Parfait! Mais en réalité, être au volant, c'est complètement stressant. Je vais être vue avant même de sortir de ces bouchons. On avance à contre-temps ou quoi? Je déteste les voitures. Quand tu es censé recevoir ta paye, tu t'attends à pouvoir jeter une pluie de billets. Ouais, je suis tellement riche! Je vais nager dans tout mon argent. Mais malheureusement, la réalité utilise une monnaie différente. Voici ton salaire pour le mois, moins les taxes. Ouais, ça ressemble pas vraiment à de la richesse, ça, pour moi. C'est quoi ces bruits qui viennent de la cuisine? Je les ai peut-être imaginés? Ou pas? Il doit y avoir un monstre là-bas! Je peux l'entendre réchauffer des aliments et préparer des smoothies. Il va sûrement ensuite dévorer mon cœur. Oh mon Dieu! Mais je suis plus fort que ma propre peur. Je vais aller voir ce que c'est. En réalité, c'est juste mon pote qui prend son goûter de minuit. Tu m'as fait peur! T'as au moins trouvé quelque chose de bon à manger, espèce de monstre? Je suis née pour être un comique. T'entends tous ces rires? Eh ouais, c'est grâce à mes blagues. Mes amis rigolent tellement que je peux même voir leurs amygdales. Il n'y a plus qu'à recevoir des applaudissements. Mais je fais que de rêver encore. En réalité, quelqu'un va m'interrompre pour sûr et dire la fin de ma blague avant même que je sois arrivée. Oh, je suis un comique de l'ombre. Regarde ma super barbe! Tous les barbiers de la ville meurent d'envie d'avoir une barbe comme la mienne. Je suis trop beau! Oups! En réalité, tout ce qui pousse sur mon visage, c'est les poils de mes sourcils. C'est tellement tragique et injuste! Je sais très bien organiser mon temps.
Je vais faire mes devoirs tout de suite et je serai libre pour le reste de la soirée. Yes, on va faire la fête. Mais en réalité, les études sont un adversaire redoutable. J'ai sous-estimé tout le travail que j'avais à faire. Il y en a vraiment beaucoup. Et je vais en avoir pour toute la nuit. Tant pis pour la fête. J'espère que je pourrai dormir au moins une heure. Est-ce que tu as aimé et réussi à t'identifier à ces histoires? Alors dis-nous dans tes commentaires comment est-ce que ta réalité diffère de ce à quoi tu t'attends. Et toi, abonne-toi à notre chaîne, like cette vidéo et clique sur la cloche. Ne manque aucune des nouvelles vidéos amusantes sur le quotidien de Woohoo!